Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de ce vendredi 10 novembre 2023. Vous le savez maintenant, moi je termine avec vous le vendredi. Avant de commencer, j'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie. Je m'entoure facilement de gens positifs et sains. Je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. En fait, nous méritons toutes et tous de vivre dans l'abondance, n'est-ce pas? Eh bien, pour le dernier jour de cette semaine, j'ai pigé le 6 de l'eau. Je pense que j'ai quand même pigé assez bien de cartes mineures et c'est dans la catégorie de dos. N'est-ce pas? Je pense que c'est la troisième. Le 6 de l'eau, eh bien, c'est l'essence plaisir. Plaisir, prospérité, le bonheur et la satisfaction, la joie. Mais pas que. Succès dans les affaires de cœur, n'est-ce pas? Une harmonie naturelle. Il y a un développement positif. Et le message intérieur de cette carte, eh bien, pour certains d'entre vous, vous pouvez à présent vous détendre intérieurement et relâcher toute crispation mentale et émotionnelle. Eh bien, votre force de vie, elle circule bien, n'est-ce pas? Elle circule de nouveau. Eh bien, calmement et en harmonie à travers votre système. Et vous regagnez votre équilibre intérieur. Que cela fait du bien, n'est-ce pas? On vous invite à, présentement, de prendre plus de plaisir à votre vie. Et ce, sur tous les plans. Permettez-vous cela. Permettez-vous aujourd'hui de prendre du plaisir dans votre vie. La manifestation extérieure de cette carte, eh bien, pour certains d'entre vous, il va y avoir beaucoup de choses qui seront possibles. Vous êtes prêt à aborder, eh bien, des projets avec un nouveau courage et à avoir du succès. Et en plus, ça va être du succès sans trop de stress et surtout à reprendre plaisir de votre quotidien. Pour d'autres, c'est également un moment favorable pour clarifier vos sentiments avec les amis et les personnes que vous aimez, et de les transposer sur une base plus affective. Si vous vous estimez vous-même et êtes bon envers vous-même, eh bien, vous estimez donc plus les autres et vous. Vous les traitez également de la même manière, n'est-ce pas? Vous dégagez du bon. Mais vous allez avoir du bon. Ce que vous semez, ben, vous allez le récolter. Et comme vous êtes dans une phase magnifique, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de positivité, eh bien, tout ça va se
Vous allez le récolter, évidemment. Donc, on vous dit, cette carte vous dit, beaucoup de choses sont possibles dans tous les domaines. Maintenant, vous pourriez aussi faire une belle rencontre avec un bel élan de cœur, avec beaucoup de bonheur et de satisfaction. Il y a une personne qui va venir à vous. Et au point de vue professionnel, il y a de beaux projets qui s'annoncent pour vous. Ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez mis en place, vous allez récolter le fruit de ce que vous avez mis en place. Et vous récolterez ce que vous allez mettre en place. Parce que ça sera fait avec beaucoup de confiance en vous. Donc, il y aura quelque chose de très, très, très positif en tous les cas. Je termine avec la carte de l'oracle de développement. Alors, voilà. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. Ben voilà. Plaisir. Plaisir. Donnez-vous les moyens d'avoir du plaisir dans votre vie, sur tous les plans, que ça soit professionnel, que ça soit amoureux, que ça soit familial, etc. Donnez-vous du plaisir. Eh bien, je suis ravie qu'on termine avec une carte très positive. Je vous souhaite une très jolie journée ainsi qu'un joli week-end dans l'amour inconditionnel, la tolérance, la bienveillance, l'altruisme, l'empathie. Voilà, le rire, c'est très, très important aussi de rire. C'est très bon pour les zygomatiques, n'est-ce pas ? La joie, on dégage quand on est tout ça, quelque chose de très positif, n'est-ce pas ? Voilà, et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse, à très vite.